Annette, page 41. Mais non. Après un flottement gêné, je me suis dit une chose dans la salle de bain. Oui, nous sommes peut-être trop vite passés sur... Enfin, je veux dire... Dites, Annette. L'insulte aussi est une agression. Bien sûr. Ça dépend, Michel. Oui, ça dépend. Ferdinand ne s'est jamais montré violent. Il ne peut pas l'avoir été sans raison. Il s'est fait traiter de balance. Portable vibre. Pardon. S'écarte avec des signes d'excuses exagérés à Annette. Oui. À condition qu'aucune victime ne s'exprime. Pas de victime. Je ne veux pas que vous soyez à côté de victime. Ok. On y en bloc. Et s'il le faut, on attaque le journal. On vous faxe le projet de communiqué, Maurice. Raccroche. Si on me traite de balance, je m'énerve. À moins que ce soit vrai. Pardon. Je veux dire si c'est justifié. Mon fils est une balance. Mais non. Je plaisantais. Le vôtre aussi, si on va par là. Comment ça, le nôtre aussi? Il a bien dénoncé Ferdinand. Sur notre insistance. Michel, on sort complètement du sujet. Peu importe, sur votre insistance ou pas, il l'a dénoncé. Annette. Quoi, Annette? Ah, Michel, vous pensez que mon fils est une balance? Je ne pense à rien du tout, hein. Alors si vous ne pensez rien, ne dites rien, ne faites pas ces réflexions insinuantes. Annette. Gardons notre calme. Michel et moi, nous efforçons d'être conciliants et modérés. Pas si modérés. Ah bon? Pourquoi? Modérés en surface. Toutou, il faut vraiment que j'y aille. Sois lâche, vas-y. Annette, en ce moment, je risque mon plus gros client. Alors c'est pénurie de parents responsables. Mon fils a perdu dedans. Deux incisives. Oui, oui, on finit par le savoir. Dont une définitivement. Il y en aura d'autres, on va lui en mettre des autres, des mieux. On n'est pas trouvé le tympan. Nous avons tort de ne pas considérer l'origine du problème. Il n'y a pas d'origine. Il y a un enfant de 11 ans qui frappe avec un bâton. Armé d'un bâton. Nous avons retiré ce mot. Vous l'avez retiré parce que nous avons émis une objection. Nous l'avons retiré sans discuter. Un mot qui exclut délibérément l'erreur. La maladresse qui exclut l'enfance. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton. Nous avons du mal à nous accorder, vous et moi, depuis le début. Messieurs, il n'y a rien de plus odieux que s'entendre reprocher ce qu'on a soi-même considéré comme une erreur. Le mot « armé » ne convenait pas, nous l'avons changé. Cependant, si on tient à la stricte définition du mot, son usage n'est pas abusif. Ferdinand s'est fait insulter et il a réagi. Si on m'attaque, je me défends, surtout si je suis seule face à une bande. Ça vous a recalqué de dégobiller, hein? Vous mesurez la grossièreté de cette phrase. Nous sommes des gens de bonne volonté, tous quatre, j'en suis sûre. Pourquoi se laisser déborder par des irritations, des crispations inutiles? Oh, Michel, ça suffit. Cessons de vouloir temporiser. Puisque nous sommes des modérés en surface, ne le soyons plus. Non, non. Je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle pente? La pente lamentable où ces deux petits cons nous ont mis. Voilà. J'ai peur que Véro n'adhère pas à cette chose. Véronique! Pardon.
Bruno est un petit con maintenant. Le pauvre. C'est un comble. Bon, allez. Vraiment, il faut que je vous quitte. Moi aussi. Allez-y, allez-y.